Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau crash test, ça va être sur No Man's Island aujourd'hui. Donc je l'ai pas lancé, j'ai pas fait de nouvelle partie, j'ai pas fait de réglages, rien du tout. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un jeu open world, un petit peu survie, un petit peu craft, construction de base normalement. Avec des créatures, je sais pas si elles vont être normales ou pas. Maintenant je vois des dragons, un espèce de golem, donc des créatures fantastiques apparemment. Le petit bémol pour moi c'est que c'est un jeu solo, vous savez j'aime beaucoup les jeux de survie en multi. Et en ligne surtout. Après voilà, on va voir ce que ça donne. Le jeu devrait sortir le deuxième trimestre de 2023. Donc dans pas si longtemps que en anglais. Je suis nul en anglais. On va essayer de se débrouiller. Ramasser des ressources et trouver des plans. Tout autour de l'île. On a de la faim. On a de la soif. En jaune, je sais pas ce que c'est. On a les PV. Ah, le bonheur. La joie. La santé mentale. En jaune. Ok. Donc là on se déplace. Point and click, hein, tranquille. Ok. Les ressources, faut cliquer dessus. Le système de ramassage, ça fait très jeu smartphone. What? Bah je viens de tame un chien ou un renard en faisant juste clic gauche, tame. Donc il n'y avait rien à faire de particulier. Une hachette pour farm les arbres. Est-ce qu'il y a un menu de craft? Non, ça c'est ma phase d'inventaire. On va essayer de se balader, voir un peu si on trouve des trucs. Le taux de est-ce qu'on peut le farm? Hein, j'ai pas l'impression. Ok, il y a un ponton. Un squelette avec de très longues jambes. C'est quoi ça? Ah oui. Ok. Il doit y avoir une touche pour taper quand même. Ah. Ah ça c'est cool. On n'est pas bloqué à une seule vue. On peut s'organiser comme on le souhaite. Ok. J'ai 3 de bois, j'ai 5 noix de coco, 3 de pierre, des baies, on dirait des fraises vu l'image. Ah, il me faut une serpe pour récupérer les plantes. Il y a une map que je découvre au fur et à mesure. Il y a différents types d'arbres apparemment, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Il fallait bon là, il y a un cerf. Ah si, quand je clique sur une cible, je la tape quand même. Mais bon là, je la tape à main nue. Courir derrière un cerf, c'est pas... Je peux pas dire à mon chien de le défoncer, non? Vraiment, je farm, mais je pense qu'il serait temps de craft une arme, peut-être. Hein. Là, je touche même pas. Ok, un coffre. Ok, on a des potions de vie. Plutôt cool. Le chien est un peu débile. C'est bloqué dans le coffre. Oh, il est teubé, mon chien. Il me faut de la rope. Mais je peux déjà faire la serpe. Serpe qui va me permettre de... Ah, il faut que je l'équipe. Où est-ce qu'on fait de la rope ? Il en faut 3. Il va faire... Là on peut en faire. Mais j'en ai pas fait. Ah ouais, ok. C'est bien mon inventaire que j'ai là. Je me fais une hache. Je me fais un couteau. Donc là j'ai ma hache. Ah, je suis peut-être stocké dans le coffre. En vrai.
Putain, l'inventaire est vraiment très très mal foutu, hein. Je mets tout dans le coffre, comme ça je pourrais aller farm. C'est des graines de carottes à mon avis. Je garde ville. Ok. On va se faire un arc. Ok, j'ai toujours ma hache. Par contre, faut que je fasse des flèches. Le coffre, il était où? Là. Oh là là. Hop. Okay, j'ai 5 flèches. J'ai plus assez de bois. Quelle horreur. Il me faut du bois. Alors pour le moment, je me hype pas de ouf. Je pense que ça ira mieux quand je pourrai chasser des trucs. Par contre, on peut pas mourir de faim et tout. Il y a tellement de fraises partout, de carottes, de champignons. Bah, les champignons, faut que je les cuisine. Mais là, ils tapent trop lentement, quoi. C'est. Ok, j'aurai 15 flèches. Ok. On équipe. Les flèches, je suppose qu'on les a équipées automatiquement. Comment je retire ce menu défilant que j'ai mis sur le côté de mon écran, moi? Ah, c'est C. Comment on sert de l'arc? Ah, y a aucune indication. J'ai l'arc en main. Y'a pas un truc dans les options? Craft, attaque, F. Oh, quelle horreur. Oh, il vise pas, il tire devant lui en fait. Ça va être très dur de chasser et tout. Il faut que l'animal court devant moi sinon. Quel enfer. Il me reste que 4 flèches. Je l'avais presque tué le premier. Ah, c'est pas le même. Et si seulement mon chien il attaquait là. Il me reste plus de flèches. Ouais. On va se faire un soc de flèches, hein. Ah, et puis le truc de rééquiper chaque fois l'objet dont on a besoin. Pour moi, dans ces jeux-là, on doit avoir des emplacements prévus pour chaque outil. On les met une fois qu'ils sont équipés, c'est tout, tu vois. Limite, une touche en jeu, un raccourci. Pour juste remettre l'objet en fonction de dans quelle ressource t'es, tu vois. Une touche pour passer des armes aux outils, peut-être ça, ouais, mais. Mais là, c'est trop. Je ne vois pas l'intérêt du chien, il me suit, il ne sert à rien. C'est compliqué, quoi. Ça fait 12 minutes que je suis en jeu, j'ai déjà plein le cul. Pour moi, c'est pas du tout abouti. Le jeu peut être sympa, mais il faut vraiment améliorer beaucoup de choses, quoi. Les trucs, on voit même pas ce que c'est. Les emplacements d'inventaire sont très mal foutus. Ah, il faut que je retrouve l'endroit où j'étais en plus. Y'a pas moyen de mettre un ping. Ok, c'est par là. Faut que je retourne à mon coffre parce que je suis full. C'est aussi que le perso s'arrête quand tu ouvres la map. Non, 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 laissez-moi avancer, quoi. Ok, on est presque à l'oasis. Le coffre doit être là. Pierre, le bois, plus de bois. Ça, je vais les prendre puisque je vais les transformer. Hop. Ça, c'est de la bouffe.
Écharpe qui ferme pas les menus aussi, ça me stresse. Ah ouais, construction c'est là. Il me faut le marteau, des... Ah oui. Il me faut du métal, donc ça va pas être tout de suite. Ah, les quantités qu'il faut pour faire bouffer en plus. J'ai un problème, je suis en manque de... Oh, je suis trop con. Je suis en manque de d'or. Je suis en train de farm, je me suis fait un chapeau. Ah, mais PV descend très vite. Faut que j'aille vite à l'eau. Je pensais pas que ça irait si vite. Mais là, mes PV sont en train de brûler. Faut que je retourne boire, 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 boire vite. Vite, vite, vite. Ok. Ok, on est full. Putain, on a eu chaud. Du coup, je disais, avec les plantes qu'on peut ramasser une fois qu'on a la serpe, j'ai pu me faire un petit chapeau. Voilà. Ça, c'est cool. Je suis en train de farm de ça un maximum. Pour faire un maximum de cordes. Les stacks, du coup, c'est 20. On va voir si le bois, c'est pareil. Le bois, c'est pareil. J'arrive pas à les restack. Ça, c'est chiant. Très chiant, même. Ça, je vais le manger. Ça, je vais les manger. Ça prend pas de la place dans mes coffres pour rien. Hop. Ça, on va la transformer avant de la ranger. En fait, pour construire la base, dans tous les cas, il me faut copper nail. Et pour faire ça, dans tous les cas, il me faut du métal. Donc, on va essayer de trouver ici du métal, du copper quelque part, du cuivre. Et il me faut le hammer que je peux craft en réalité. Je vais même me le craft comme ça sera fait. En prenant ça et ça. Voilà. Comme ça, je peux faire de la constru. Il n'y a pas de souci. Hop, on va ranger mon arc. C'est chiant que ça se stack pas automatiquement. C'est très 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 con. Donc on a tout en fait. Tous les outils qu'on a accès, on les a. Là, s'il faudra du métal. Can contain water or honey. Ah, du miel ou de la flotte qu'on pourrait conserver. Avec la jarre. On va y avoir. On va aller continuer d'explorer. Poly, c'est une démo, donc je sais pas à quel moment on pourra plus rien faire. La pierre, on va la ranger aussi. J'ai tout le temps envie de fermer avec échappe, mais ça ne marche pas dans ce jeu. Il y a des lapins. Est-ce que au couteau, je pourrais tuer un lapin? Je cours plus vite que le lapin, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être moyen. Ah, ça, c'est mon chien, putain. Je sais pas c'est quoi ce toy. Ah, c'est dur de rester. Ah, c'est stay. Je vois pas bien à cause de... Les cerfs, pour le moment, c'est un enfer. Donc maintenant qu'on est en forme, si je croise de la bouffe, je vais la manger au fur et à mesure. Le but, c'est de trouver du métal. Mais on n'a pas de pioche, en fait. J'ai pas la pioche, je suis trop con. Comment on craft la pioche? Je pensais l'avoir fait. Ok, il faut bois et pierre. On va se couper un arbre, ça va être réglé. On peut pas couper les souches, c'est très con. On va battre un arbre, on va récupérer quelques pierres, on va se faire la pioche et on va explorer pour essayer de trouver de la roche quelque part pour avoir ce cuivre et construire les prémices d'une base et faire de l'exploration. Et du coup j'ai fait le test pour vous, quand vous avez plus d'eau ou plus de nourriture, vos PV disparaissent. Inventaire full de nouveau, comme d'hab. On va directement manger les fruits. Les tomates comme ça doit pas être ouf. Manger les pommes. Il manque de la pierre. Ouais. Oh. Les gargouilles. Et donc pour une île perdue, il y a eu de la vie, on dirait un donjon. Ah mais il y a complètement des ennemis. J'arrive pas à épiquer mon couteau. Putain. Il m'a mis 10 PV.
Remarque, j'ai la potion. Hein. Ok, j'ai drink une potion. Ça m'embête le chien qui ne participe pas au combat. Une capuche. Plus 1 en armure, durabilité 100. On va se la mettre. Bobine de fil. Ok. Lanceur chapeau, on va le drop. On s'en fout. Ok. Ah, on voit même pas le perso. C'est con qu'on voit pas le perso en réduit ici, ce serait sympa. Bon, du coup, on a une capuche, trop bien. Je sais pas si ce combat était vraiment worse. On va boire ça. Là-bas, c'est pas du tout ça que je cherchais. Ouais, les gars, à mon avis, c'est un donjon. Hein. Il y a une étoile, il y a un logo de truc. Donc, on a spawn là. On a trouvé un ponton, de la roche, une forêt, un puits ici. Là, l'endroit où on a notre coffre et où on va construire notre base, certainement. Vu que le coffre est très utile et qu'il y a un point d'eau. Et là, un donjon. Ben, on va aller au nord, du coup. Le lapin, je one shot même pas le lapin, s'il te plaît. C'est quoi ça? Des potirons? Ouais, on peut que les cuisiner. Il y a quand même des espèces de chemins, on va essayer de les suivre. Est-ce que je les suis partout jusqu'en haut? Ouais, on dirait qu'il mène à une rivière. Oh, ça pas la statue. Il mène à une rivière où on va peut-être changer de biome. Après, ça serait bizarre qu'il fallait aller dans le deuxième biome pour la construire, quoi. Et donc, il y a un pont. Mais je peux pas y accéder, il est trop haut. De la roche, de nouveau. Oh. Là, il y a un truc. Mais j'ai pas la pioche. Parce qu'il me fallait de la pierre pour la faire. J'ai toujours pas la pierre pour faire la... Oh là là. J'ai trouvé du copper, je crois. Mais j'ai pas la pioche. Et j'entends des gens. Je ramasse, mais c'est du bois tout ça. C'était plus vers la plage que j'avais dû... Oh, le chien qui me gêne en plus. Je ne comprends pas l'intérêt de ce Cleps. Il ne chasse pas pour moi, il ne me parle pas et... Deux pierres. Ok, je peux le craft. On l'équipe. On va transformer nos trucs, nos cordes parce que on a plus de place dans l'inventaire. Et c'est de nouveau la nuit. Quand je craft, j'ai pas l'impression que j'ai une compétence de métier qui monte. Après, un établi, ça aurait été quand même pratique pour voir ce qu'il est possible de faire et tout. On y retourne. Par contre, les bruits que j'ai entendus me rassurent pas trop. Parce que déjà, un squelette, c'était compliqué. Donc, si je dois me taper avec tout un groupe... Merci, quoi. En 5 coups pour le casser le copper. Pour 2 copper. Il y a l'air d'avoir une construction en bas. Des squelettes sur le sol. Peut-être une autre grotte ici. Hein. Par contre, on a que 2 gisements. Ah non. Oh putain! Qu'est-ce que cette merde? Ah, plein de squelettes et une entrée? On aurait dit qu'il y avait l'entrée de quelque chose. Il y a encore un gisement, 2 gisements. Bon, il reste 2 gisements. Après, je sais pas combien de temps ils vont mettre à respawn. Il m'a désagro, on dirait ses pieds sont en haut de l'écran là, mais il ne bouge plus. Donc on peut le désagro, c'est une très très bonne nouvelle. Ok.
suicide d'achever ce gisement, mais il va revenir sur moi, je pense. Ouais. Ok, on va essayer de pas mourir. On va le kite, hein. Ah, il reset très vite. Ok, on en a 8, on verra déjà ce qu'on peut faire avec ces 8. On va rentrer chez nous. Ah, oh, s'il y a un développeur qui passe, faites en sorte que vous ouvrez la map en courant. S'il vous plaît. 8 de copper, je sais pas si on va faire des trucs de ouf avec seulement 8 de copper. On pourra faire une épée. Ah non, c'est pas en copper, c'est en so- c'est ça sera mieux pour saper. Attaque speed plus 5, attaque speed 5%. Durabilité 100, durabilité 150. On va se faire une épée. Fautage des trucs. Ah oh, putain. Ok, on a une épée. Ah oh, je le touche toujours pas. Les serres ça va être compliqué hein. Ok, c'est un peu plus bas chez nous. On va direct aller au coffre. On va boire un coup. Après le cerf de tantôt j'ai failli le tuer, donc si on fait beaucoup de flèches, il y a moyen de faire quelque chose. Alors les rondins on les range. Les cordes on les range. Ça on n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on peut craft? Il me faut des clous. Est-ce que tout peut être transformé en clous? Est-ce que j'ai besoin de copper dans autre chose? Je pense pas. Hein. Ah, tu vois, la soie, j'aurais dû la faire avec des trucs d'araignée. Donc il va y avoir des araignées à buter. Ah! Plus 5 slots. Mais il faut de la peau. Donc il faut qu'on arrive à tuer quelque chose. Quoique la peau, on peut peut-être la faire avec la peau de lapin. Pas transformer la peau de lapin en peau tout court. Non. Non, non, il n'y a pas. Donc la peau tu l'as lootée telle quelle et c'est pas de la rabbit skin. On va transformer tout le copper en truc de toute façon. Et on a tout transformé. Ensuite on va peut-être avec l'épée rentrer dans le premier donjon, voir ce qui s'y passe et puis arrêter la vidéo là, je pense que ce sera pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire de plus pour le moment. C'est pas très guidé, donc ça je le savais de base. De toute façon, je l'ai mis en suivi sur Steam, on verra bien s'il y a des mises à jour. Si vous voulez voir une suite ou quand le jeu sera sorti, etc. Donc je rappelle, deuxième trimestre de 2023. N'hésitez pas hein, sur Discord ou en commentaire. Commentaire, je réponds à tout le monde. Sur Discord, généralement, je réponds à tout le monde aussi. Et on pourrait peut-être continuer le jeu. Je vais ranger mes clous. Ce serait con de les perdre si je die. L'arc, on le garde sur nous, même si j'ai plus de flèches. Après ouais peut-être que je pourrais faire ma construite du coup. Alors il y avait le drapeau qu'on avait quand on était dès le début. Peut-être je peux poser mon drapeau. Voilà. Ça n'a pas l'air de changer grand chose. Ah j'ai le set de mon truc ouais. Donc on est sur une île, ici c'est la mer, là c'est une rivière, il y a un pont. Là il y a le donjon, l'espèce de crypte. Et là il y a autre chose. Ah il y avait un autre donjon plus loin qu'on n'a pas vu. On s'est baladé ici. Et on n'a pas vu que là il y avait un autre truc. Ah, bref, on va rentrer dans le premier donjon. je devrais manger avant de partir. Ce chien m'épuise. Ah, manger une carotte. J'ai pas de truc très nourrissant pour le moment parce que je pense qu'il faudrait que je fasse de quoi me préparer de livrer repas. Je vais sûrement me faire défoncer. Hein. Oh putain, j'en ai un gros deux. Oh, j'avais pas vu le premier.
Oh, c'est lent les combats. Ah, par contre, c'est bien pour ce stuff. Ok, je casse pas. Je vais voir si on peut péter les vases et tout. Oh, y'a un mimic. J'adore cette créature dans les jeux de rôle. Ok, j'ai appris l'alchimie. Je sais pas si ça va me débloquer des trucs. L'ambiance dans le château, elle est pas mal, dans la chapelle. Oh, je l'ai pas vu arriver ce con. Le truc c'est que là, je vais cramer mes potions de vie. Et actuellement, je sais pas comment en faire. Oh, on a loot un arc. C'est le même exactement que nous. Donc on va tèche le nôtre. Puisque c'est le même et que celui-là est neuf. Un boss. Ah, je vais mourir ici. C'est sur ça qu'on se laisse. On va contre ce premier boss. Les raccourcis sont pas terribles. J'ai pas pu me soigner. Enfin là si vous regardez, je suis mort avec 40 PV. Donc voilà, c'est un jeu en accès anticipé. On est sur une bêta, il est même pas en accès anticipé. C'est, je le rappelle, un open world survie qui se fait en solo entièrement avec du craft, de la construction. On verra peut-être ça sur une deuxième vidéo, c'est malade. Et du coup voilà, pour d'autres crash tests, n'hésitez pas à les suggérer sur Discord ou dans les commentaires bien entendu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, laissez votre avis. Si vous avez d'autres jeux à proposer, évidemment, proposez-les, je serai ravi de les tester. Et je vous dis à la prochaine.